Catholic Photography. Be renewed by the Catholic faith. Ole baba ba se le dama ga ko le shanta ba ya imini ya maso ye baba ba ya shanta ba ya giri ya hola santa ba ya hola kiri ma shalo ba o shiri ya maso ri biri ya masanka ba ya hola sholo bula ba ye la ba hola kiri shanta ba ya hola kiri ma sholo baba Yo te te baba mo solo se tamango Yo te baba senga ma sole ma ya golo holo tebele ama Ye baba ba ya kole shanta ba ya hili ya ma solo bala la da ma solo sole te ba Yo le ve ya ma kore shinda ma ya hola kele ba solo do me ya hola Yo le baba ya sole ya volo che se di amato Yo le bebe solo tu ti babo lo vole ga ma sole be Yo te baba ba sole re di ma mo coro che de ma volo casne Ibel ya shanta ba ya hili ya bala shanta ba ya kibili ya bala sole Alleluia Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta faveur, Seigneur. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison pour écouter ta voix, pour célébrer ton saint nom, pour nous nourrir de ta parole, car ta parole est vraiment une nourriture pour nos âmes, pour notre vie. Père, nous t'en prions. Par la vertu, par la puissance, par la bénédiction de l'Esprit Saint, ouvre notre cœur à l'intelligence de ta parole. Viens en nous, ô Saint-Esprit, enveloppe chacun d'entre nous, entoure-nous de ta présence. Esprit Saint, sois devant nous, derrière nous, à notre gauche, à notre droite. Sois dans nos cœurs et sur nos lèvres, sois dans nos âmes, dans nos esprits, pour bâtir quelque chose de nouveau en nous, pour établir une nouvelle intimité entre nous et Dieu, entre nous et le monde de Dieu. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit du Dieu vivant, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Ô Bella basso lo damaya chi ama sole shanta vaya volo vidi ama la lo oliva sedi ma sole balaya vola ma sho ti volo ti vidi ama sole ama va sole ti bere sole bayam sole che di ma o solo cole shanta ma ti bere va o som che vidi ma sole shanta vaya vola rimele ya vola Ye baba ba ya so te be di ma so le ke ba sham tu ba ya ho la ke Ki ba la ho se ba ya ho ge ma sha li ba la ko la se na Alleluia Alleluia Le babo so le ha ni ma ba ko no so le de ma Ye ba la Alléluia, il y a des marocos. Alléluia, les basses sont Alléluia, les chabayando moukichele. Alléluia, les chantés bikama solo bayanga tuto. Et les babas sont les chantes, solo kole chata. Ye le baso ye shem tama ya bi di mala so ke ba yo holo kolo shona maya le ba ya masi ti bi di ya bara kuli ya sham tava ya hole ka ba solo tama ya ta Alleluia Ô Dieu qui a
illuminer le cœur des apôtres par le feu de l'Esprit Saint. Accorde-nous le même feu de ton esprit, qu'il éclaire notre conscience, qu'il embrase notre volonté, qu'il nous donne le goût de ta présence, qu'il nous revête de ton onction et qu'il nous accorde, Seigneur, ta faveur, ta bénédiction, ton réconfort et ta force. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a prévu pour nous. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Le thème de ces rencontres est tout ce qu'il vous dira, faites-le, c'est tiré du chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean, le verset 5. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors nous allons aborder ce thème un peu différemment, tout simplement en essayant d'entrer dans l'intelligence de la parole de Jésus à laquelle la Vierge nous invite dans ce verset à nous soumettre lorsque celui-ci, le Seigneur Jésus, dit aux apôtres représentés par la figure de Saint Jean au pied de la croix, « Femme, voici ton fils, voici ton fils. » Alors, le thème que je vais traiter avec vous pour nous permettre d'avancer dans, cette connaissance du mystère marial et dans la dévotion mariale, c'est « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi, ne crains pas d'accueillir Marie dans ta vie. » Alors, avant de traiter, à strictement parler ce thème, j'aimerais d'abord lever quelques petits malentendus que j'ai cru percevoir ici et là, notamment sur les réseaux sociaux. En écoutant un prédicateur de renom sur la toile, il y en a beaucoup de renom sur la toile, j'ai été choqué d'entendre deux choses. La première, c'est que Marie serait Astarté, la reine du ciel. Et la seconde, c'est que le célibat sacerdotal ne sert rien d'autre qu'une mise en pratique de la dévotion à Marie, présentée comme Astarté. Mes bien-aimés, ce sera la première partie de mon intervention levée. Je dirais même pas un malentendu, cette espèce d'ignominie, j'étais sur un aspect de notre foi catholique, et dans un second moment, nous allons regarder à travers la parole de Dieu Marie et pourquoi nous devons, je dis bien nous devons, je dis même pas nous pouvons, nous devons lui rendre les hommages attachés à son statut unique de femme bénie entre toutes les femmes, de femme distinguée par l'Éternel, de femme distinguée par le Verbe de Dieu, puisqu'éternellement elle a été choisie et établie dans le temps comme la mère de l'Emmanuel, la mère du Verbe fait chair. Dis Amen. Oui, selon une voix qui tonne sur les réseaux sociaux, Marie serait une démone, une déesse, une diablesse. Et cette diablesse serait évoquée dans Jérémie 7, le verset 18, ou Jérémie 44, le verset 17 à 25. Je ne perds pas mon temps à lire ces textes. Selon toujours cette espèce de voix, Marie serait donc la reine du ciel, mais la reine du ciel perçue comme Astarté ou encore Ishtar. Et le célibat des prêtres n'est rien d'autre que le culte rendu à cette déesse. J'aimerais d'abord, avant de donner une réponse, une clarification, dire tout simplement ceci. Quand on ne maîtrise pas un sujet, il faut se taire. On n'est pas obligé de parler sur tout. Deuxième chose, quand on veut critiquer un enseignement, on gagne à aller à la source de l'enseignement. On gagne à étudier ceux qui en sont les maîtres. On gagne à étudier les déclarations, les enseignements des maîtres du sujet avant d'oser une critique, qui serait totalement déplacée. C'est une question tout simplement de méthode de travail, mais c'est aussi une simple question d'honnêteté intellectuelle. Alors, si vous voulez parler de la Vierge Marie, de ce que
la foi des catholiques en la Vierge Marie, eh bien, il vous faut tout simplement d'abord commencer par regarder tous les enseignements officiels de l'Église. Les enseignements officiels de l'Église, ce que les papes ont écrit sur la Vierge Marie, les documents, il y en a qui ont traversé des siècles, ce que les maîtres de la spiritualité mariale ont dit du mystère marial, et ce que les dévotions populaires mariales enseignent à leurs fidèles et les pratiques liées à cet enseignement. Si on veut être honnête intellectuellement, enfin, on peut s'attarder à ce que disent les théologiens, ces hommes et ces femmes, prêtres, religieux, religieuses, même laïcs, qui consacrent toute leur vie à l'étude, comment dire, du mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ. L'honnêteté intellectuelle veut cela. Alors, c'était, on va dire, une petite mise en garde, une interpellation. Ishtar, Astarté, reine du ciel, c'est le nom que la Bible donne à une divinité assyro-babylonienne qui est souvent considérée dans la Bible comme l'épouse du dieu Baal et par dans certaines autres cultures de la même sphère biblique et géographique, l'épouse du dieu Moloch. Ces cultes-là ont contaminé le peuple de Dieu parce que quand on vit ensemble, il y a des influences réciproques entre, on peut dire, les peuples qui cohabitent ensemble. Et la Bible va les dénoncer. Et les dénoncer de la plus forte des manières. Cette divinité, cette déesse, les divinités sont considérées par, dans la foi chrétienne, tout simplement comme des démons. Alors, cette démon est, on peut dire, rattachée au culte de la divinité, de la fécondité et de la prospérité. Dans l'Ancien Testament, son culte se déploie avec la prostitution sacrée, avec la sexualité désordonnée, avec le sacrifice, parfois même avec le sacrifice humain. Voilà rapidement, comment dire, camper la figure de Astarté, qu'on appelle encore Ishtar dans une autre culture, qu'on appelle encore la reine du ciel dans une autre culture. Amen. Mes bien-aimés, vous tous qui avez côtoyé la foi catholique, vous tous qui êtes catholiques de par le monde, qu'est-ce que Marie a à voir avec de telles pratiques? Ce que Marie incarne parce qu'elle est, comme modèle de foi, comme modèle des croyants, est aux antipodes, comment dire, des cultes de la fécondité, des cultes de la prospérité, des cultes de la prostitution sacrée, des cultes d'une sexualité débridée, des cultes sacrificiels où l'on répand le sang, que ce soit le sang des animaux, que ce soit le sang des humains. Amen. Vous voyez donc que l'affirmation de cette grande voix, grande par le bruit qu'elle fait, non pas par la profondeur de l'enseignement qu'elle ventile, qu'elle distille, mais bien aimée, elle tombe d'elle-même. Qu'est-ce que Marie incarne dans l'Église? Eh bien, pour faire très simple, et si encore l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on regarde les grands textes de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, les déclarations pontificales, les conciles, les théologiens et les dévotions mariales dont se nourrissent les membres du peuple de Dieu, eh bien, Marie incarne, contrairement à cette démon, à cette déesse, à cette divinité, Marie incarne tout le contraire. Elle est le symbole par excellence de la pureté. Qu'est-ce que la pureté a à voir avec la prostitution ou la sexualité débridée? Marie incarne la virginité. Derrière la virginité, il y a celle du corps, c'est-à-dire la maîtrise de son corps, le contrôle, la gestion de son corps, mais aussi la maîtrise, parce que la virginité du corps est liée aussi à un état d'esprit. Voilà ce qu'incarne la Vierge Marie. Amen. Qu'est-ce que Marie représente dans la foi? Aucun chrétien sérieux, à moins d'être sectaire, d'avoir une double pratique derrière la foi, eh bien, ne dirait le contraire. Marie incarne la vie théologale, c'est-à-dire la vie d'intimité avec Dieu, la vie de soumission avec Dieu, la vie d'obéissance à Dieu. Et c'est ce qui résume ce thème qui vous a convoqué depuis déjà plus d'un mois. Faites tout ce qu'il vous dira, Jean 2,5. Voilà les paroles, on peut même dire la dernière parole. On doit dire, c'est la dernière parole explicite de la Vierge Marie dans l'Écriture. Et nous savons que la dernière parole est toujours de l'ordre du testament. La dernière parole de quelqu'un est une parole testamentaire. Le message que Marie nous tend, donc, est que nous devons faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle incarne?
dans, on peut dire, la foi catholique, dans la foi des chrétiens catholiques, eh bien, Marie incarne celle qui nous aide à faire la volonté de Dieu. Celle qui nous rappelle que comme enfants de Dieu, nous devons obéir à la voix de Dieu. Celle qui nous rappelle que comme fils de Dieu, nous devons marcher à la suite du Christ dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, certes, il peut y avoir des chrétiens qui vivent dans le péché, mais s'il vous plaît, les catholiques n'ont pas le monopole du péché. Ça va? Oh, vous m'entendez? Catholique n'a pas le monopole du péché. Le péché est la chose la mieux partagée entre toutes les églises et pour ne pas faire, comment dire, court, la chose la mieux partagée dans notre humanité, n'est-ce pas? Il y a adultère partout, chez tous les peuples, dans toutes les religions, n'est-ce pas? Il y a infidélité, il y a vol, il y a mensonge. Sinon, pourquoi dans les autres églises on prêcherait sur ces questions-là si ça n'existe pas? Amen. Vous voyez donc, qu'un chrétien soit infidèle à sa foi, qu'un dévot de Marie pêche ou un écart par rapport à la parole de Dieu n'invalide pas ce que Marie, ce dont Marie est le symbole, ce dont Marie est la figure dans la foi. Amen. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira, Jean 2, 5. Alors, selon cette voie, Marie, le culte de Marie serait également décliné à travers le célibat des prêtres. Le célibat des prêtres serait une pratique du culte liée à Marie. Marie représentant donc cette démone, cette divinité, cette déesse. Mais je viens de vous montrer simplement, la manière la plus simple, que la figure mariale, la figure de Marie, est tout le contraire. Amen. Mais cette déclaration est également fausse, erronée, parce que tout simplement, dans les fondements de la foi chrétienne et les fondements bibliques, on peut dire du sacerdoce, eh bien, le célibat sacerdotal n'est pas lié, comment dire, au mystère marial. Il est lié au mystère du Christ lui-même. Il est christologique, il est christocentrique. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que dans la pensée de l'Église, qui est le prêtre? Eh bien, le prêtre est le représentant sacramentel de Jésus-Christ lui-même. Le prêtre représente pour le peuple de Dieu le Christ grand prêtre. Le prêtre participe à l'unique sacerdoce de Jésus-Christ. Il en est, comment dire, l'émanation, il en est la manifestation, il en est la figure dans le peuple de Dieu. Amen. Dire cela, c'est dire que le sacerdoce n'est pas centré sur la figure de Marie, il est centré sur la figure de Jésus. Amen. Mais alors pourquoi? Où est le lien avec le célibat sacerdotal? Ben, il est tout simple. C'est que la forme de vie choisie par Jésus-Christ est le célibat pour le royaume des cieux. Amen. Jésus n'a pas pris femme. Et c'est, on peut dire, la grande invention du Nouveau Testament, la grande création, institution établie par la nouveauté là, de l'Esprit Saint dans l'alliance en Jésus-Christ. Amen. Le célibat donc des prêtres n'est pas rattaché à Marie, il est rattaché au célibat de Jésus-Christ. C'est parce que la forme de vie choisie par le Christ est le célibat que le prêtre, qui est le représentant de Jésus, pour mieux coller, comment dire, à la figure de Jésus, choisit lui aussi dans l'Église catholique le célibat. Amen. C'est donc un célibat consacré en vue d'être, comment dire, la figure qui exprime le plus proche possible l'état de vie de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez donc dire que le prêtre est célibataire parce qu'il honore Marie et Marie serait, comment dire, la déesse, la démone, la divinité Astarté, ok, est totalement erronée. Amen. Je suis au regret de le dire. Alors, Jésus, dans le Nouveau Testament, n'est pas seulement, s'il est la figure centrale qui nous introduit dans cette voie de la consécration par le célibat, nous voyons qu'il y a d'autres figures, notamment la figure de Saint Paul. Allez relire 1 Corinthiens 7. Où Saint Paul loue les avantages du célibat consacré, où Saint Paul encourage au célibat, comment dire, consacré. Amen. Dire cela, c'est donc dire que le célibat des prêtres s'inscrit dans une tradition néo-testamentaire qui se rattache d'abord à la figure de Jésus, et figure de Jésus qui va conduire
d'autres serviteurs du Christ, d'autres apôtres, à choisir cette voie. Amen. Mais dans l'enseignement paulinien, le célibat n'est pas seulement, comment dire, une émanation, une manifestation, une manière de choisir l'état de vie du Christ lui-même, c'est aussi un appel et un don de l'Esprit Saint. Le célibat est aussi un appel et un don de l'Esprit Saint. Ici, il faudrait tout simplement lire Matthieu 19, le verset 12. Je suis obligé de faire vite parce que le temps est très bref. Matthieu 19, le verset 12, dans le texte, vous situez, c'est le texte où Jésus parle des eunuques. Ok? Les apôtres disent, mais si c'est ça le mariage, ça ne vaut pas la peine de se marier. Eh bien, Jésus répond que justement, tout le monde ne comprend pas ce langage-là et qu'il y a des hommes qui ne se marient pas parce que la nature les y a contraints. La maladie, un accident, une impuissance, okay, une incapacité ou psycho-affective ou biologique à fonder un foyer les empêche de se marier. Il y en a d'autres aussi qui ne peuvent pas se marier parce qu'on les a condamnés au célibat. Dans la pratique antique, il y avait la pratique des eunuques. Les eunuques, ok? Donc, on les a mutilés et obligés à ne jamais se marier. Amen. Et Jésus rajoute qu'il y en a qui se font eunuques pour le royaume des cieux. Entendez? Il y en a donc qui choisissent de ne pas se marier en vue de servir le royaume des cieux. Alors, je ne sais pas si cette grande voix-là a déjà lu la parole de Dieu, mais pourtant, c'est dans toutes les Bibles, même dans les Bibles trafiquées. Parce qu'il y a des Bibles mal traduites, des Bibles plus ou moins falsifiées. Amen. En Matthieu 19, 12, Jésus va donc dire, « Il y en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. » En d'autres termes, chez Jésus, des lèvres même du Christ, il y a une forme de célibat qui est choisie, qui est consentie en vue de manifester le royaume des cieux, en vue d'être au service de Dieu, en vue d'être au service de l'Évangile. Amen. Alors, j'ai dit donc que c'était un appel de l'Esprit. Et pour mieux comprendre cela, nous allons lire 1 Corinthiens 7, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens 7, le verset 7 à 8. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, dit l'apôtre Paul. Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. Soulignez, chacun reçoit de Dieu son don particulier. Voyez, son don particulier. Ensuite, je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Amen. L'apôtre Paul invite donc c'est les célibataires dans la communauté chrétienne et les veuves à rester célibataires comme lui-même. Amen. Alors, il faudrait relire tout simplement, on n'a pas le temps, 1 Corinthiens 7, tout le chapitre 7. Vous voyez ici que dans l'enseignement paulinien, le célibat consacré n'est pas seulement rattaché au mystère du Christ prêtre, il est aussi rattaché aux dons de l'Esprit Saint, aux appels de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne à certains cette force, ce courage, cette capacité à choisir de servir Dieu dans le célibat pour le royaume des cieux. Amen. Vous voyez, ça n'a pas de lien, ok, avec le service marial ou avec une quelconque divinité adorée, je ne sais pas dans quel cercle occulte ou dans quel cercle mystique, qu'il soit moderne, qu'il soit traditionnel, peu importe. Amen. Le célibat est donc relié, on peut dire, au don de l'Esprit Saint. Si vous voulez, c'est un appel. Et pour utiliser le langage paulinien ici, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. C'est donc un don particulier de l'Esprit. C'est donc l'Esprit Saint, à moins que le célibataire consacré soit un malade, ou à moins qu'il soit amputé, ou à moins qu'il soit, comment dire, je ne sais pas, souffre d'une autre défaillance, eh bien, celui qui décide de choisir le célibat, eh bien, le choisit parce que Dieu l'appelle à cet état. C'est parce qu'il en ressent l'appel intérieur par l'Esprit Saint. Amen. L'infidélité à cet appel de l'Esprit n'invalide pas la valeur de l'appel de l'Esprit.
Pourquoi? Eh bien, parce que on peut être fidèle à l'appel de l'Esprit, comme on peut trahir l'appel de l'Esprit. Ça va? Vous me suivez? Ça veut dire que ce n'est pas parce que, je ne sais pas, quelqu'un de marié serait infidèle à son épouse que le mariage n'est pas une voie établie par le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'un célibataire consacré aurait un écart de comportement que l'appel de Dieu ne serait pas authentique. Amen. Tout simplement, l'infidélité signifie la faiblesse de l'homme et l'exigence et la valeur du sacrifice auquel Dieu appelle celui qui s'est consacré dans le célibat. Dis amen. Dis amen. Mes bien-aimés, insultez Marie. Insulter Marie, la traiter de démon, de diablesse, la traiter, comment dire, de divinité, c'est faire preuve d'une part d'ignorance de la foi chrétienne. Nous ne parlons pas de la même figure mariale, mais c'est aussi, comment dire, cracher sur le visage du Christ. Il n'y a pas plus grande preuve de mépris, il n'y a pas plus grande offense faite à un homme que d'insulter sa mère. Amen. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites amen. Amen. Diabolisez Marie. En faire une démon, une moins que rien, une diablesse. Mais bien aimé, c'est insulter le Christ de la pire des manières. Soit celui qui le fait ne parle pas de notre foi à nous, mais s'il parle des sacerdotes, des prêtres, il parle de nous. Soit il fait preuve d'ignorance, n'est-ce pas? Soit il fait preuve de malveillance, soit alors, dans, on peut dire, le meilleur des cas, il parle d'une autre religion, pas de la tienne, pas de la mienne. Dis amen. Dis amen. Enfin, le célibat consacré des prêtres ne se rattache pas qu'au don de l'Esprit ou à la forme de vie choisie par le Christ. Eh bien, il se rappelle aussi, dans l'enseignement paulinien, à la disponibilité pastorale. L'homme qui se consacre au célibat pour le royaume des cieux le fait aussi pour avoir une plus grande disponibilité. Parce que l'homme marié doit, d'abord, sa vocation première est de s'occuper de son foyer, de ses enfants, de madame, et cela jour et nuit. On est père de famille et chef de famille le jour comme la nuit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 7, 32. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. En d'autres termes, par le célibat consacré, eh bien, on a plus de temps, on a plus de disponibilité pour s'occuper des affaires du Seigneur. Amen. Voyez donc, nous sommes tout à fait aux antipodes de cette voie des dénonciations ou des agressions, je ne sais pas comment il faudrait qualifier ça, ou des erreurs de cette voie autorisées sur les réseaux sociaux. Plus de temps, plus de disponibilité, en tout cas, parce que une vie dans le sacrement de mariage bien exige une plus grande présence, présence à l'épouse, présence à l'enfant, présence permanente, n'est-ce pas? Alors que le célibataire peut avoir plus de temps pour se consacrer aux choses de Dieu. Amen. Eh bien, qu'il vague à d'autres occupations n'invalide pas la chose. Ça montre tout simplement que on peut être distrait, on peut, comment dire, faire les choses. Mais objectivement parlant, ok, l'homme qui n'est pas marié peut avoir plus de temps pour s'occuper de Dieu. Amen. 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 Si vous êtes d'accord avec moi, dites amen. Enfin, le célibat des prêtres est un état prophétique. C'est un état prophétique. Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, dit le Seigneur, les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans le ciel. En d'autres termes, le célibat consacré annonce notre situation eschatologique, notre condition dans le monde à venir. Dans le monde à venir, il n'y aura plus de mariage. Le mariage est une institution pour se taire. Mais le célibat est la forme de vie qui se vivra éternellement parce que nous aurons été, comment dire, achevés,
accompli, transformé par le Christ, alors il n'y aura plus besoin de cet élément. Pour la vie présente, c'est bon, le mariage. Amen. Mais choisissant pour le royaume des cieux, le célibat, eh bien, le prêtre annonce en fait à l'humanité sa condition dernière. Amen, 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 amen. Vous voyez donc que nous sommes tout à fait à l'opposé de ce que déclarait cette personne. Mais ne vous en étonnez pas, Jésus avait déjà lui-même annoncé ceci. Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Matthieu 19, 11. Lorsque Jésus va parler des eunuques pour le royaume des cieux, Jésus prend le soin, avant même d'en parler, de dire ceci. Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. En d'autres termes, le célibat consacré peut échapper et échappe à beaucoup de personnes, mais en réalité, c'est un don de l'Esprit, c'est un appel de l'Esprit, c'est un don de Dieu à la communauté chrétienne. Dites amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je viens donc de lever, vous voyez. Je ne sais pas si c'était inutile, mais on vient de faire un pas en avant. On a fait des découvertes importantes. OK. La première, c'est qu'il faut qu'on se garde d'insulter la Marie de la foi. Et si on voulait critiquer la pratique chrétienne de la dévotion mariale, il faut aller à la source, il faut aller à la source officielle, aux documents autorisés, à ce qui se fait dans l'Église, non pas à des spéculations personnelles tirées dont on ne sait d'où, on ne sait où. Amen. Mais bien-aimés, regardons alors la Marie de la foi. Dans ta foi, dans notre foi catholique, et même chez les orthodoxes qui partagent la même foi mariale que nous, à quelques petites nuances près. Et qui est Marie? Eh bien, Marie est la mère du Christ. Déjà dire cela, mes bien-aimés, c'est tracer une frontière absolument extraordinaire avec toutes sortes de spéculations, toutes sortes d'attaques et d'agressions par rapport à la dévotion mariale. La Marie de la foi, la Marie de notre religion catholique, la Marie de notre dévotion chrétienne est qui? Eh bien, c'est la mère du Christ. Dire que Marie est la mère du Christ, mes bien-aimés, c'est déjà dire que nous lui devons respect, honneur, amour et même service. N'est-ce pas? Si la Marie que nous nommons, dont nous faisons mémoire, dont nous parlons dans notre vie chrétienne, désigne bien la mère du Christ, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour comprendre ça. C'est qu'elle a droit à notre respect. C'est la mère de notre Sauveur. Amen. Deuxièmement, elle a droit à nos honneurs. Nous devons honorer la mère de celui qui nous sauve, n'est-ce pas? Elle a droit aussi à notre service. Rien ne nous empêche de rendre service à la mère de celui à qui nous devons tout. Amen. Mais si on pousse un peu la logique, rien ne nous empêche non plus de l'aimer. Amen. Amen, amen, amen. On se comprend. Il n'y a pas besoin de théologiser longuement. Simplement comprendre qui est Jésus. Comprendre qui est Jésus pour nous. Et comprendre que le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. Et le Verbe s'est fait chair, n'est-ce pas? Il a pris chair de la Vierge Marie. Le sang qui a coulé sur l'arbre de la croix, c'est le sang tiré du Sainte Marie. La chair que Jésus a, comment dire, consacré, voué au service de Dieu, qu'il a offert en sacrifice d'agréable odeur à Dieu, elle est tirée du sein et de la foi de Marie. Je tiens les deux, du sein et de la foi de Marie, du sein et de la foi de Marie, du sein, parce que le Verbe de Dieu sans corps, le Verbe qui préexiste à toute chose, le Verbe de Dieu, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, tout a été fait par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, en lui était la vie était la lumière des hommes. Amen. Ce Verbe divin éternel par lequel Dieu fait toutes choses et pour lequel Dieu a fait toutes choses, mes bien-aimés, est incorporel, est immatériel pour devenir un des nôtres. C'est-à-dire que pour que le Fils de Dieu éternel, la parole de Dieu, le Verbe divin, la sagesse divine éternelle prenne chair de notre chair, il faut le oui de Marie, c'est-à-dire la foi de Marie. C'est tout le récit de la Annonciation. L'archange Gabriel vient
comme ambassadeur divin, s'adresser à Marie. Amen. Il faut donc le oui de Marie. Amen. Et deuxièmement, le sein de Marie. C'est pourquoi j'ai dit, pour que nous ayons un sauveur, pour que le sauveur soit un des nôtres, pour que le Fils de Dieu soit le Fils de l'homme, il faut deux éléments, la foi de Marie, c'est-à-dire l'obéissance de Marie, et le sein de Marie. Amen. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que Marie est liée intimement à Jésus, et Jésus est intimement lié à Marie. Mais si Marie et Jésus sont intimement liés, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas faire de Marie un à côté de la foi. Si Jésus est vraiment notre sauveur, si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et il est devenu le Fils de l'homme, censé être le Fils de Dieu, à cause de la foi de Marie, à cause du sein de Marie, eh bien nous devons, comment dire, respect, nous devons honneur, nous devons amour et nous devons service à cette mère, la mère de notre sauveur, et Seigneur Jésus-Christ dit amen. Tu me diras, mais oui, ça c'est la spéculation, c'est la réflexion. Je dirais que la foi s'adresse à des êtres intelligents. Ce n'est pas pour rien que parmi les dons de l'esprit, il y a le don d'intelligence. Amen. Amen. C'est écrit où? Ben, je te dirais que c'est écrit dans ta Bible. Pourquoi c'est écrit dans ta Bible? Eh bien, parce que d'abord, ceci, il faut prendre le temps de lire la Bible pour bien découvrir le mystère. Mais ce que je viens de dire en très peu de mots, en ramassé, eh bien, est vraiment, comment dire, présent dans la parole de Dieu. D'abord, 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, l'esprit vivifie. En d'autres termes, pour comprendre le mystère marial, il faut non seulement considérer la lettre, mais il faut aussi considérer l'esprit de la lettre. Il faut lire ce qui est écrit, mais approfondir aussi ce qui est écrit. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Et c'est ce que je tente de faire avec vous. Ensuite, Jean 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En d'autres termes, c'est l'Esprit lui-même qui permet l'approfondissement de la parole de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui permet à l'Église de mieux en mieux comprendre tout au long des siècles ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu nous a enseigné. Dire cela, c'est donc dire que les générations chrétiennes qui nous ont précédés et celles qui vont, comment dire, nous suivre, sont appelées à approfondir le contenu de la parole de Dieu. Elles vont approfondir, éclairées par l'Esprit, poussées par l'Esprit, animées par l'Esprit, le contenu de la parole de Dieu. Allant de la lettre des Écritures à l'Esprit des Écritures pour de plus en plus comprendre ce que Dieu nous a dit. Jésus lui-même l'a annoncé et cela est écrit dans toutes les Bibles chrétiennes. Amen. Enfin, il y a un autre texte, toujours cette fois-ci de Saint Paul. L'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Je reprends les trois textes. 2 Corinthiens 3, 6. Quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas seulement s'arrêter à la lettre, il faut aller à l'esprit de la lettre. Amen. Regardez, Satan tente Jésus avec la parole. Oh, vous m'entendez? La parole de Dieu citée mal à propos, la parole de Dieu utilisée sans approfondissement peut conduire à ne pas faire la volonté de Dieu, peut conduire à lutter contre le projet de Dieu, peut conduire, mes bien-aimés, à l'égarement, au satanisme. Satan tente Jésus avec la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un mauvais usage de la parole de Dieu peut nous égarer. Une mauvaise connaissance, compréhension de la parole de Dieu peut détruire la foi. Une mauvaise connaissance de la parole de Dieu peut nous conduire à l'adoration du diable. D'où l'importance de prendre le temps d'approfondir, de scruter, d'aller au-delà de la lettre, d'interroger la lettre et d'écouter l'Esprit Saint. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Jésus a donc lui-même enseigné que dans tout ce qu'il a dit, les apôtres n'avaient pas encore l'intelligence de tout, mais que progressivement, grâce à l'action de l'Esprit Saint, eh bien, l'Église allait
de plus en plus comprendre le mystère de la foi, approfondir le sens des affirmations, approfondir la signification de chaque geste de Jésus, de chaque invitation de Jésus, de chaque élément de la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous aide à entrer dans cette intelligence. En d'autres termes, il y a des choses donc qui ont été écrites dans les Écritures dont les apôtres n'avaient pas la connaissance immédiate parce qu'elles étaient encore voilées à leur intelligence. Mais que, quand l'Esprit est venu et les chrétiens vivant de l'Esprit Saint, méditant la parole, vont de plus en plus comprendre, vont en plus, de plus en plus pénétrer le sens. Amen. Pendant que Marie était encore avec les apôtres, mes bien-aimés, acte 1, 14, on la voit prier avec les apôtres, tout le monde sait qu'elle est la mère du Christ. Les apôtres ne sont pas des idiots. La mère du maître, on la vénère, on la respecte, n'est-ce pas? Mais on ne lui rend pas encore tous les honneurs que nous rendons aujourd'hui. Mais ne me dites pas que les apôtres ne la respectent pas. Ne me dites pas que les apôtres ne l'honorent pas comme la mère du ressuscité, comme la mère de leur maître et seigneur. Amen. Mais une fois que Marie a quitté ce monde et que l'Église a poursuivi sa méditation, son approfondissement des faits et gestes révélés, parce que Dieu parle à travers des faits comme à travers des paroles, pendant que l'Église a continué à méditer le sens de la parole de Dieu, eh bien, éclairée par l'Esprit, elle a de mieux en mieux compris qui était vraiment Marie dans le dessein de Dieu. Amen. Alors, pour entrer dans cette intelligence, j'aimerais évoquer un autre élément. Dites, le ciel n'est pas vide, ce n'est pas un dortoir. On peut le répéter? Le ciel n'est pas vide, ce n'est pas un dortoir. Le ciel n'est pas vide, ce n'est pas un dortoir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Si Marie a quitté ce monde, ok, ne pensez pas qu'elle dort quelque part dans un dortoir céleste. Si les justes ont quitté cette terre, gardez-vous de penser et de croire qu'une fois qu'on a quitté cette terre, on dort quelque part, je ne sais pas, dans l'obscurité d'un tombeau ou dans un cimetière. Amen. Si quelqu'un a servi Dieu dans ce monde, mes bien-aimés, et Jésus, c'est lui-même qui nous l'a enseigné, les portes du paradis lui sont ouvertes. Amen. Ici, on va convoquer quelques textes. Nous allons lire le bon larron. Ok. Luc 23, 43. Vous vous souvenez de ce bon larron? En fait, c'était un voleur, quoi. C'était un méchant. C'est quelqu'un qui a fait du tort. Et lui-même le dit sur la croix. Il le dit à son complice, son compère. Écoute, nous là, les hommes ont raison de nous tuer. Nous savons ce que nous avons fait. Il faut au moins craindre Dieu, tu es en train de mourir. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce texte? Mais Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Que lui dit Jésus? Eh bien, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Tu seras avec moi dans le paradis. S'il vous plaît, Jésus ne lui a pas dit qu'il sera avec lui dans le paradis et qu'il reposera dans un dortoir. Ça va? Ok? Imaginez-vous au paradis passant des siècles, allongé dans un dortoir, je ne sais pas, comme une momie. Amen. Alors nous allons avancer un tout petit peu. Matthieu 27, 52, 53. Matthieu 27, 52, 53. Je lis Matthieu 22, 53. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les nombreux corps des saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Matthieu 27, 52, 53. Ça va? Je peux relire tranquillement, lentement, on n'a pas beaucoup de temps. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés, c'est-à-dire morts, ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire dans Jérusalem, et se firent voir à bien des gens dans la ville sainte. Amen. Ça va? La Bible nous montre qu'à la résurrection, mort et résurrection de Jésus, il y a des justes qui sont sortis vivants de leur tombeau et se sont manifestés. Et les gens les ont vus. Amen. Ça va? On va avancer. Donc, il y a au bon larron, je dis, aujourd'hui, c'est avec moi dans le paradis. OK? Quand Jésus meurt, ressuscite,
les justes ressuscitent avec leur corps et on peut les voir, ils se manifestent ici et là. Amen. Ensuite, mes bien-aimés, il y a, on peut dire, Matthieu 17, 3. Élie et Moïse. Tiens, il devrait être au dortoir quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Puisque les morts se reposent de leurs œuvres. Donc le ciel est un immense dortoir où tout le monde dort comme une momie. Ça va? Comment se fait-il que Moïse et Élie descendent et viennent converser avec Jésus? Ils devraient, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils devraient dormir. Ils n'ont qu'à dormir puisque le ciel est un dortoir. Ça va? Ça va les amis? Vous me suivez? Ok, ici c'est Matthieu 17, 3. En fait, qu'est-ce que nous montrent ces textes? Ces textes nous montrent tout simplement qu'en fait, les justes sont déjà entrés dans la vie divine. Et que dans la vie divine, mes bien-aimés, ils sont bel et bien vivants. Ils se reposent de leurs œuvres. Oui, ça veut dire quoi qu'ils se reposent de leurs œuvres? C'est-à-dire qu'ils jouissent du travail qu'ils ont fait sur la terre. Ils goûtent déjà à la récompense et au bonheur que Dieu a prévu, comment dire, à ceux qu'il aime. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inactifs. Ils peuvent descendre sur la terre, Élie et Moïse. Ils peuvent se manifester, comment dire, aux vivants. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous dévoile tout cela. Du coup, pourquoi voulez-vous que ce que Dieu, le Fils, a accordé à un voleur, il ne l'accorde pas à sa mère? Amen. Comment voulez-vous que ce que Jésus a accordé à un voleur, à des gens qui ne l'ont pas connu, il ne l'accorde pas à celle qui lui a donné son sang et qui a souffert avec elle jusqu'au pied de la croix? Amen. Si tu es intelligent, tu comprendras. Ok. Si tu es intelligent, tu comprendras. Pourquoi, au nom de quoi, allons-nous penser que Jésus va laisser dans l'obscurité du tombeau de la mort sa mère, alors que des justes moins élevés, en sainteté, en intimité, avec moins liés à lui, sont entrés dans le ciel, le corps de sa mère? Sa mère continuerait à agir quelque part dans l'obscurité de la tombe, dans l'obscurité du tombeau ou d'un cimetière. Amen. L'arbre et le fruit sont liés. Luc 1, 42. Béni est le fruit de ton sein. Béni est le fruit de ton sein. Le fruit, c'est Jésus. L'arbre, c'est Marie. L'arbre et le fruit sont intimement liés. Amen. Le fruit est dans l'arbre, l'arbre est dans le fruit. Amen. Ne séparez pas ce que Dieu a ainsi intimement lié. Amen. Nous sommes enveloppés d'une nuée de témoins, Hébreux 12, 1. La Bible nous enseigne donc qu'en fait, ceux qui ont servi Dieu en toute fidélité, ceux que Dieu a béni, ceux qui ont été justes sont déjà dans la gloire du ciel, mais la Bible nous enseigne qu'il nous enveloppe. Nous sommes enveloppés, dit l'Écriture, du nuée des témoins, Hébreux 12, 1. Dans Hébreux 12, le verset 22 à 24, je lis le texte. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des myriades d'anges, réunion de fêtes et l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection » et de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Amen. Hébreux 12, le verset 22 à 24 nous apprend qu'en fait, nous les croyants, nous nous sommes approchés de la cité sainte, nous sommes non seulement enveloppés d'une nuée de témoins qui sont les anges, les myriades de saints, nous sommes non seulement en présence de Jésus, mais nous sommes aussi en présence des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Donc, qui se sont accomplis. Amen. C'est pourquoi donc Éphésiens 2, 19 dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Ou encore, vous êtes la famille de Dieu. » Les deux traductions. Soit on dit « Vous êtes la maison, soit on dit la famille de Dieu. » Amen. Avec Marie, avec les justes de tous les temps, avec les anges et les saints, habitons la même cité, qui a un côté visible et un côté invisible. Amen.
Amen. Nous sommes en relation avec ce monde, ok? Ce que dit l'Écriture, que nous venons de lire encore, Hébreux 12, versets 22 à 24, si on peut nous projeter ce texte, ou Hébreux 12, le verset 1, ou encore Éphésiens 2, le verset 19. On va encore approfondir, ok? Je pose mes jalons. C'est pour que vous compreniez qu'en fait, ok, si Marie a quitté ce monde physiquement, elle ne l'a pas quitté spirituellement, parce que les saints n'ont pas quitté spirituellement, parce que le ciel est en relation avec nous, parce que le monde invisible, mais bien aimé en Christ, est en contact, est en relation, est, comment dire, solidaire. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 27. 1 Corinthiens 12, le verset 27. La parole de Dieu déclare, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Nous appartenons à un même corps. Ce corps du Christ qui comporte une face visible, toi et moi, et une face invisible, les saints et les justes qui sont parvenus, comment dire, dans la gloire de Dieu, dans la cité de Dieu. Amen. Mais entre ce monde visible et invisible, il y a une circulation. Il y a un échange, il y a un va-et-vient. Eh bien, la parole de Dieu nous l'enseigne également à travers déjà, on peut dire, l'image du corps. Dans un corps, il y a des parties visibles, non? Il y a des parties invisibles, non? Est-ce que les deux parties ne s'échangent pas? Oh, ça va? Ton corps a un côté visible et un côté invisible. Est-ce que les deux côtés sont séparés? Est-ce que les deux côtés ne sont pas reliés? Ça va, non? Donc, le corps du Christ, il contient une partie visible, les vivants, une partie invisible, ceux qui ont quitté ce monde, ok, est toujours relié. Il y a des liens invisibles, réels, puissants, entre les chrétiens qui sont entrés dans la gloire de Dieu et les chrétiens qui sont encore en route, nous. Amen. Ici, on n'a pas le temps, mais j'aimerais vous donner deux textes importants dans la révélation chrétienne. Ok, c'est 2 Maccabées 12, le verset 38 à 45. 2 Maccabées 12, le verset 38 à 45. Et 2 Maccabées 15, le verset 11 à 16. Dans 2 Maccabées 12, le verset 38 à 45, eh bien, nous voyons dans ce texte, je n'ai pas le temps de lire, que tout simplement, le grand prêtre Onias, qui était un homme de vertu, un homme parfait, un homme rodé à la vertu et au bien, lorsqu'il meurt, eh bien, Judas Maccabée a une vision de lui qui vient et qui vient au secours de son peuple. Amen. Et avec lui dans le songe, dans la vision, il y a également Jérémie qui est mort depuis des siècles et qui vient encourager le peuple et qui lui remet une épée. Amen. Le texte est dans 2 Maccabées, le chapitre 12, le verset 38 à 45. Vous pouvez relire vous-même ou alors si on peut nous le projeter, ce serait très bien. Ensuite, dans 2 Maccabées 15, 11 à 16, 2 Maccabées, chapitre 15, le verset 11 à 16, nous avons un autre texte. Nous avons un autre texte. Mes bien-aimés, c'est 'le sacrifice fait pour les croyants morts en état de péché. Sacrifice fait pour les croyants morts en état de péché. Amen. Le texte aussi est merveilleux. En tout cas, relisez les deux textes. Relisez les deux textes, je les recite. C'est 2 Maccabées 12, 38 à 45 et 2 Maccabées 15, le verset 11 à 16. Amen. Il faut relire ces deux textes. J'aimerais rapidement jeter un coup d'œil. Ok. 2 Maccabées 12, j'ai dit verset 38. Ok. 2 Maccabées 12, verset 38, eh bien, c'est le sacrifice pour les morts, pardon, et la prière. Le grand prêtre fait offrir des prières et des sacrifices, des offrandes pour les croyants qui sont morts en état de péché. Si on offre des prières, si on offre des sacrifices, si on offre des offrandes pour ces croyants morts en état de péché, ça veut dire qu'ils ne sont pas en enfer, c'est-à-dire qu'on veut les racheter, c'est-à-dire qu'on veut les aider à rentrer dans la cité céleste. Amen. C'est 2 Maccabées 12, le verset 38 à 45. 2 Maccabées 15, cette fois-ci,
2 Maccabées 5, j'ai cité dans le mauvais ordre, 2 Maccabées 15, le verset 11 à 16, eh bien, c'est la vision de Judas Maccabée dans laquelle intervient le grand prêtre qui a quitté ce monde récemment et un prophète qui est mort il y a des siècles, le prophète Jérémie, qui viennent tous deux au service, comment dire, du peuple de Dieu. Amen, en danger. Ce texte nous montre donc, en fait, que la partie visible et invisible sont reliées. Donc, les saints dans le ciel, les justes dans le ciel, pensent et prient pour ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont sur la terre prient pour ceux qui ont quitté ce monde, mais qui ne sont pas encore entrés dans la perfection éternelle, en offrant pour eux des sacrifices, en offrant pour eux des prières, en offrant pour eux des offrandes. Amen. Ils contribuent. Donc, vous voyez, il y a une solidarité entre le côté visible de l'Église et le côté invisible de l'Église. Amen. Le côté visible est composé de nous les vivants qui sommes en chemin vers la perfection éternelle et le côté invisible est composé, on peut dire, de deux types de croyants. Ceux qui sont entrés dans la gloire du ciel, n'est-ce pas, qui peuvent nous soutenir de là-haut et ceux qui sont encore en chemin l'autre côté et qui, eux, ont besoin de nos prières, de nos sacrifices et de nos offrandes pour achever le voyage dans la cité céleste. Dis Amen. Dis Amen. Mes bien-aimés, bref, en Jésus, les croyants sont liés, nous sommes encordés. Certains sont déjà dans la cité céleste, mais d'autres sont encore en route. Les défunts qui ne sont pas encore entrés dans la gloire de Dieu, elles vivant en chemin sur la terre. Mes bien-aimés, voilà, j'ai pris tout ce temps pour que vous compreniez. Ok, qu'en fait, si c'est ainsi le mystère de la foi, c'est que Marie est située dans ce grand monde-là, dans ce grand paysage. Amen. Alors, nous allons avancer maintenant. Ok, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on est décomplexé. Ok, on est décomplexé. On a compris tout ce que ça implique, le mystère de la foi. Amen. Prendre Marie chez soi, d'abord, c'est l'accepter comme un élément central du mystère de la foi. C'était un élément central du mystère de la foi parce qu'elle est la plus proche du Christ. Matériellement possible, elle est la plus proche du Christ. C'est un élément central du mystère de la foi parce que par la foi de Marie et par le sein de Marie, nous avons reçu le Sauveur. Elle partage avec le Sauveur, comment dire, la même vie, le même sang, n'est-ce pas? C'est le même ADN, n'est-ce pas? Qu'elle partage avec... Personne ne peut être aussi proche de Jésus biologiquement, aussi proche de Jésus corporellement, matériellement. Amen. Elle partage avec Jésus un amour unique. C'est l'amour d'une mère pour son fils et l'amour d'un fils pour sa mère, s'il vous plaît. L'amour d'une bonne mère pour son fils et l'amour d'un fils unique pour sa bonne mère. C'est un amour unique. Amen. Personne ne peut avoir une telle intimité avec Jésus. Je vais rajouter un troisième élément. Non seulement Marie est la plus proche du Christ, on peut dire donc par le sang, mais aussi par l'amour, l'amour maternel, l'amour de Marie pour Jésus, l'amour fidèle, l'amour de Jésus pour Marie, à moins de croire que Jésus est un mauvais enfant. Si Jésus est un mauvais fils, alors en quoi est-ce que Jésus est le modèle de ton enfant à la maison? Si Jésus est un mauvais fils, Jésus désobéit au quatrième commandement qui veut qu'on honore père et mère, n'est-ce pas? Et donc Jésus viole la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Troisième connexion, eh bien c'est la grâce. C'est la grâce. Marie a reçu l'abondance de la faveur de Dieu. Amen. Elle seule parmi les croyants peut appeler Jésus mon bébé. Ça va? Elle seule peut dire et appeler Jésus son bébé. Jésus est son bébé. Ok? Tout grand qu'il soit fils de Dieu, par l'incarnation, par le fait que le fils de Dieu est devenu le fils de l'homme, il est devenu le bébé de Marie. Amen. Personne ne peut prétendre à ce lien-là. Personne ne peut, comment dire, prétendre à cette intimité-là. Personne ne peut, comment dire, rivaliser avec une telle intimité. Amen. Mes bien-aimés, vous voyez donc que de ce point de vue-là, Marie est distinguée parmi les croyants. Ok. Par son oui, sa foi à la volonté de Dieu, son ventre, son rôle de mère, elle est liée à Jésus, plus que nous tous. Amen. Par le rôle qu'elle a joué, c'est elle qui a permis que Dieu vienne parmi nous comme fils de l'homme. Elle est au centre des mystères de la foi. Amen. Amen. Et si Dieu a choisi de passer par elle pour venir à nous, qu'est-ce qui nous empêche d'aller à Jésus en nous rapprochant de Marie?
Est-ce que vraiment c'est si grotesque? Est-ce que vraiment c'est si incohérent que cela? Amen. Bon, vous allez tirer vous-même vos conclusions. Moi, je pose juste la question. OK? Je pose juste la question. Parce que méditer la parole de Dieu, c'est approfondir. C'est tirer des conséquences des choix faits par Dieu. C'est essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique, tel choix divin, tel geste divin, telle activité divine. Amen. Du coup, nous comprenons qu'en fait, Marie est vraiment unique dans le mystère de la foi. Elle occupe une place unique. On ne peut donc pas en faire une démone, une diablesse. Comment dire? Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne veut pas comprendre, on va la traiter comme moins que rien, prenant le risque d'insulter le Messie en méprisant, en diabolisant sa mère. Amen. C'est notre mère en Jésus-Christ. Alors, pour cela, nous avons donc besoin de contempler, de méditer le mystère marial, sans peur ni a priori. Beaucoup échouent devant Marie parce qu'ils viennent à elle avec la peur de trahir Jésus. Comme si aimer la maman de Jésus mettait Jésus en rivalité ou en compétition avec Marie. Ce n'est pas parce que tu aimes la maman de quelqu'un que tu mènes la personne en rivalité avec sa mère. Sortons le paganisme de notre esprit. Ok? Certains ont peur de Marie parce qu'ils ont peur qu'en aimant Marie trahisse Jésus. Mais c'est tout le contraire. Aimer la maman de quelqu'un, c'est donner une occasion de plus à la personne de t'aimer. Mépriser la maman de quelqu'un, c'est froisser l'amour qui t'unit à la personne, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le bon sens? Est-ce que ce n'est pas le bon sens? Dites amen. Est-ce que ce n'est pas le bon sens? Amen. Nous avons besoin, pour mieux approfondir ce mystère, de quitter nos a priori, nos lunettes, qui nous font voir tout avec la peur, tout avec le soupçon, qui nous font voir tout avec, de manière, comment dire, grossière et totalement déformée. Mais nous avons besoin aussi de méditer la parole de Dieu avec confiance. Et pour cela, nous avons tout simplement besoin de tirer les conséquences de l'élection divine. C'est Dieu qui a choisi Marie. Une fois que Dieu a choisi quelqu'un, on est obligé de tirer les conséquences qui s'imposent. Amen. Marie a été l'objet d'une élection unique. Elle n'a pas été choisie comme prophétesse. Elle n'a pas été choisie comme apôtre. Elle a été choisie comme la mère du Sauveur. Et cela est un statut unique. OK? Oh non, mais nous aussi, en faisant, on donne la volonté de Dieu au monde, oui. Mais tu donnes Dieu au monde parce que Dieu est déjà venu au monde corporellement en Jésus-Christ. Et cela par la médiation, par le moyen, par le truchement de la foi du oui et du Sainte-Marie. Amen. Nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu qui nous présente ce mystère marial, sans peur, sans a priori, avec confiance en la parole de Dieu. Et notamment, la Bible nous dit elle-même que le Tout-Puissant a fait pour elle de grandes choses. Luc 1, 49. Si le Tout-Puissant a fait pour Marie de grandes choses, c'est une affirmation que l'on trouve dans le Magnificat, que Marie sort poussée et animée par l'Esprit. Nous avons besoin de comprendre ces grandes choses que Dieu a fait pour elle. Approfondir la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dire c'est écrit comme ça et on s'arrête là. C'est essayer de comprendre quelles sont les grandes choses quand elle affirme que Dieu a fait pour elle les grandes choses, poussée, animée par l'Esprit Saint. Amen. L'homme intelligent va essayer de comprendre. Il ne va pas s'arrêter juste au texte, au mot. Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses, oui. Mais quelles sont ces grandes choses? Pour comprendre quelles sont ces grandes choses, nous avons besoin donc de méditer. Nous avons donc besoin de creuser la parole. Nous avons donc besoin d'aller à l'esprit de la lettre, à mettre le texte biblique en relation avec le texte biblique. Amen. Pour approfondir. Amen. Comme mère de Jésus, Marie est aussi notre mère. Et cela est d'abord, j'ai envie de dire, un don extraordinaire que Dieu nous fait. Parce que recevoir une mère est un cadeau spécial. Vous ne le savez pas, vous qui avez une maman au quotidien, ce que vous voyez, c'est les petits pépins qui sont entre vous et maman. Mais quand on perd sa mère, on comprend mieux la valeur d'une mère. Amen. Et quand on est orphelin de mère, on sait apprécier ce que c'est que véritablement une mère. Amen. Une mère est un don. En nous donnant Marie comme mère, Dieu nous fait une grâce spéciale, une faveur supplémentaire, un cadeau, un présent divin qu'il nous revient d'accueillir. Et voilà le cadeau. Jean 19, 26. Jésus voyant sa mère
Et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. » Jean 19, verset 26. C'est Jésus lui-même qui donne Jean à Marie. Dans le mouvement du texte, Jésus montre à Marie que Jean est son fils. Amen. En d'autres termes, c'est Jean qui est confié à Marie. Jean est confié à Marie. Amen. Jean est confié à Marie. Alors, et Jean représente au pied de la croix le ministère apostolique, les 12 apôtres qui sont les 12 colonnes de l'Église, comme dit le livre de l'Apocalypse. Mais bien aimé, nous allons avancer. Alors, la question alors, si Marie est notre mère, parce que Jésus a fait de nous ses frères, vous êtes des frères de Jésus, non? Ça s'appelle l'adoption filiale. Si Jésus nous a choisis, a fait de nous ses frères, nous avons non seulement avec lui par le mystère d'adoption filiale le même Père qui est au ciel, et nous avons dans l'ordre de la grâce sûre, dans le monde créé, la même mère qui est Marie. C'est une conséquence directe de l'adoption filiale. Amen. 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 Dire cela, c'est donc dire que parce que Marie est la mère de Jésus et parce que Marie finalement devient notre mère en Jésus, nous devons l'honorer. Qui n'est pas capable de comprendre ça, mon Dieu? Pourquoi c'est si difficile de comprendre cela? Oh, mais elle n'est plus de ce monde. Mais qui vous a dit qu'on honore quelqu'un seulement quand il est en ce monde? Vos parents qui vous ont quitté, vous n'honorez pas leur mémoire? Les grands hommes qui ont marqué l'humanité, qui ont enrichi le monde, est-ce qu'ici et là, il n'y a pas de monument dressé à leur gloire? Est-ce qu'on n'en parle pas dans le livre d'histoire? Est-ce que parfois on ne dépose pas une gerbe de fleurs sur leur mausolée? Est-ce qu'on ne leur rend pas, comment dire, les honneurs attachés au bien qu'ils ont fait à l'humanité? Qui vous a dit qu'on honore seulement quelqu'un parce qu'il est visiblement ici? Amen. Vous voyez, un regard simplement sur la vie humaine nous permet de comprendre que ce n'est pas parce que visiblement nous ne la voyons pas qu'on ne peut pas l'honorer. Amen. Nous devons l'honorer au titre de sa maternité de grâce sur nous. Nous devons l'honorer parce qu'elle est notre mère. Nous devons l'honorer parce qu'elle est la mère de notre Sauveur. Amen. Alors, quelle forme donner à ces honneurs? Eh bien, on va dire la première forme donnée à ces honneurs, c'est l'imitation. Pour honorer concrètement Marie, il faut commencer à l'imiter. C'est la Bible qui nous invite à l'imiter. Alors, permettez-moi de dire une chose. Si quelqu'un imite Saint Paul, d'autres jouent à Élie, d'autres jouent à Abraham, d'autres jouent à, comment dire, donnez-moi des mots de la Bible, Ézéchiel, d'autres jouent à, Élisée, d'autres jouent à tel ou tel prophète. Pourquoi nous n'avons pas le droit d'imiter Marie? Au nom de quelle peur? Quel est l'argument qui nous empêcherait d'imiter Marie? Puisque la Bible nous la montre comme une personne agréable à Dieu. Amen. Comme quelqu'un qui est intime de Dieu. Alors, nous allons regarder cette intimité de Marie. Tu ne peux pas, comment dire, honorer Abraham, Isaac, Jacob, honorer Ézéchiel, Élie, Moïse et les imiter, et vouloir leur ressembler, et mettre de côté la maman de Jésus, parce que tu as peur de trahir Jésus, parce que tu as peur que Marie soit une diablesse, une démone, et je ne sais quoi d'autre, de ton invention ou de tes peurs. Amen. La Bible nous montre que Marie est imitable. Marie est digne d'être imitée. Marie est un modèle de foi. Alors nous allons regarder rapidement le texte biblique. L'humilité et l'esprit de service de Marie. D'abord, Marie s'appelle. Elle s'appelle elle-même la servante du Seigneur. Elle ne dit jamais, je suis la maman du Sauveur. Je suis la maman. Le titre qu'elle se donne, c'est, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon. Il a jeté les yeux sur l'humilité ou sur l'abaissement de sa servante. Amen. Luc 1, 38, Luc 1, 48, Marie s'est définie elle-même comme la servante du Seigneur. Vous voyez? Elle peut donc être un modèle pour nous qui voulons servir Dieu par son humilité et par son service de Dieu. Amen. La compassion de Marie.
Le service de Marie, la charité de Marie. On n'a pas le temps de développer, on peut évoquer ici deux textes. C'est le récit de Cana. À Cana, Marie se révèle comme la femme attentive, qui observe, mais surtout qui intervient. Elle observe, elle prend les bonnes décisions et elle intervient dans la foi. Que fait Marie à Cana? Marie est invitée, elle se rend compte que le mariage va tourner à la honte des mariés. Elle prend la décision de demander à Jésus d'intervenir. Et malgré le fait qu'en apparence, Jésus refuse, Marie prend la décision de dire aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous... » Faites tout ce qu'il... Faites tout ce qu'il vous... Faites tout ce qu'il vous... » Elle se révèle donc une femme de compassion. Elle ne veut pas l'humiliation de ce couple. Une femme attentionnée, elle observe. Une femme d'action, elle opère. Une femme de foi aussi, parce que là où peut-être quelqu'un te dit « Non, 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 il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, que me veux-tu femme ?» Tu te serais peut-être énervé. Marie fait exactement le contraire. C'est une femme de foi. Amen. Allons-y. Ici donc, j'ai cité Jean 2, 1 à 12, le récit de Cana. Je pourrais citer aussi Luc 1, 39 à 45, le texte de la visitation. Marie est une femme docile à l'Esprit Saint. L'archange lui a dit « Ta cousine est enceinte. » Elle est âgée, elle est enceinte. La route est dangereuse. L'ange ne lui a jamais dit, va vite, va aider. Marie comprend que sa cousine est, comment dire, enceinte. Elle est âgée, elle a besoin d'aide. Et spontanément, poussée par la compassion, poussée par la charité, alors qu'elle n'a pas reçu une demande explicite, elle s'en va aider sa vieille cousine âgée, prenant la route des montagnes. Amen. On voit ici donc l'esprit de service, l'esprit de charité, l'esprit d'attention de la Vierge Marie. Elle peut être un modèle pour tous les croyants. Amen. Modèle de docilité à la charité, à l'Esprit Saint. Il y a des choses que Dieu te demande explicitement. Il y a des choses que Dieu te dit implicitement. Elle a compris derrière les paroles de l'archange qu'il y avait quelque chose à faire et elle l'a fait. Amen. Amen. La force. Luc 2, 34 à 35. Siméon annonce à Marie que son âme sera transpercée par un glaive. J'ai vu une personne un jour qui vient me voir, mon père. On m'a annoncé que j'ai le sida. Et en l'espèce de quelques jours, la personne a développé une maladie, elle a commencé à dépérir et était au bord de la mort. On annonce à Marie qu'un glaive va te transpercer l'âme. Et Marie est restée debout. Amen. Jusqu'à l'heure de la croix. Vous ne savez pas qu'il y a des mauvaises nouvelles qui vous peuvent vous conduire à une dépression. Marie est un modèle de force dans la foi. Amen. Un modèle de force. C'est-à-dire, malgré cette prophétie qu'elle a dû méditer, qu'elle a dû ruminer, ok, elle est restée fidèle à la volonté de Dieu, debout, amen, jusqu'à, on va dire, Jean 19, 25, près de la croix, Marie se tient en silence et debout, amen. Elle est donc un modèle de force, un modèle d'espérance dans les épreuves. Amen. Elle est soumise à la loi. Luc 1, 45. Bienheureuse celle qui a cru. Elle est une femme de foi. Bienheureuse. C'est une louange. On la loue. Élisabeth la loue. Bienheureuse celle qui a cru. Amen. Bienheureuse celle qui a cru. Bienheureuse celle qui a cru. Luc 1, 45. La Bible proclame que la foi de Marie est bienheureuse. Amen. C'est une louange. OK? Luc 1, 38. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie se soumet à la parole de Dieu. C'est un modèle de soumission à la parole de Dieu. Jean 2, 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie nous enseigne la soumission à la parole de Dieu. Amen. Galates 4, 4. Dieu envoya son fils né d'une femme sujet de la loi. Eh bien, Galates 4, 4 enseigne que Marie est obéissante à la loi de Dieu. Amen. Luc 2, 21 à 28. Le récit de la circoncision, le récit de la présentation au temple. On voit que Marie avec Joseph sont des habitués du temple et ils sont obéissants à la voix de Dieu. Est-ce qu'elle ne peut pas servir de modèle? Amen, 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 amen. Est-ce qu'elle n'est pas un modèle ici d'obéissance à la parole de Dieu, d'obéissance à la loi de Dieu, d'obéissance aux traditions de son peuple, d'obéissance? Amen, amen. La méditation et la prière. Elle est sujet de la loi, Galates 4, 4. Luc 2, 19 et 51, la Bible nous dit que Marie gardait tout dans son cœur. L'expression grecque laisse entendre qu'en fait, elle méditait tout ce qu'elle vivait. Tout ce qu'elle vivait, elle le méditait. Donc, Marie se révèle ici comme une femme qui, d'intériorité, une femme qui médite la parole de Dieu, qui veut approfondir ce qu'elle entend, parce qu'elle ne comprend pas tout de suite.
Elle a besoin, elle aussi, d'approfondir, de méditer. Amen. Elle médite dans son cœur. Acte 1, 14. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, dont Marie. Elle se révèle comme un modèle d'assiduité à la prière et un modèle de communion avec les apôtres. Amen. Luc 2, 41. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem. Marie allait chaque année en pèlerinage. Ça va? Dites Amen. Levez la main. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Vous voyez? Il suffit de prendre le temps de lire la parole et se rendre compte qu'en fait, Marie, la parole de Dieu en parle de manière élogieuse, qui est une femme exemplaire, modèle de foi. Amen. La proximité avec Dieu. Que me vaut l'honneur que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Luc 1, 42. Élisabeth est étonnée. Comment? Toi, la mère du... Tu peux venir à moi. C'est Luc 1, 42. Amen. Elle est porteuse de l'Esprit Saint. Luc 1, 41. Et dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, dit la parole de Dieu. Marie est porteuse de l'Esprit et la femme qui communique l'Esprit Saint. Amen. Luc 1, 28, l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Dieu est avec elle. Attention, pas comme avec toi. Dieu est avec elle parce que Dieu est devenu son enfant, son bébé. Amen. Ça fait la différence entre toi et elle. Amen. Elle est comblée de grâce. Luc 1, 28, l'ange l'appelle comblée de grâce. L'ange ne l'a jamais appelée Marie. Quand l'ange vient voir Marie, il lui dit « Salut à toi, comblée de grâce ». Le nom que le ciel lui donne, c'est la comblée de grâce. C'est-à-dire celle que Dieu a remplie, celle que Dieu a, à qui Dieu a donné une mesure secouée, débordante, tassée, débordante. Amen. Elle est comblée de grâce. Luc 1, 28. Luc 1, 42. Béni es-tu entre les femmes. Marie est donc unique parmi les femmes. Amen. Comme vous venez de le voir, Marie se révèle comme celle que Dieu a comblée, celle qui a accompli la volonté de Dieu. Elle est donc imitable. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Luc 1, 49. Amen. La parole de Dieu nous permet donc de comprendre qu'il n'y a pas de raison de nous méfier de Marie. Il n'y a pas raison de la voir, mais qu'on peut non seulement l'honorer, mais on peut l'imiter. Mais on va plus loin. La parole de Dieu nous permet qu'on peut aussi la louer. La louer. Louer, c'est quoi? C'est déclarer, c'est proclamer, c'est acclamer avec admiration les qualités ou les hauts faits de quelqu'un. Amen. Mais l'Écriture nous montre faisant ça. On loue les grands hommes de Dieu. Amen. Martin Luther King est loué. Gandhi est loué. Madiba en Afrique du Sud est loué. Les hommes qui ont fait des grandes choses, même de leur vivant, les dieux du ballon rond sont loués de leur vivant. Hein, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont loués. Amen. Pourquoi notre foi nous empêcherait de louer, donc d'acclamer, de déclarer, ok, de faire les éloges des qualités mariales, puisque la Bible elle-même le fait et la Bible les étale lorsqu'on veut regarder. Amen. Ce n'est pas parce qu'une personne a quitté donc ce monde visible qu'on doit s'interdire de parler d'elle avec admiration, de souligner ses qualités. Amen. Tous les peuples louent et célèbrent leurs héros. Tous les peuples louent et célèbrent leurs héros, y compris la Bible. La Bible loue et célèbre ses héros, notamment Esther, notamment Judith. Nous pouvons citer ici Judith 8, 32. Écoutez-moi bien, leur répondit Judith. Je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Amen. Voilà ce que dit Judith. Que ce qu'elle va faire doit être transmis de génération en génération. Amen. Judith 13, 18 à 20. Ozias dit à Judith, « Sois bénie, ma fille, par le Dieu très haut plus que toutes les femmes. » Amen. La Bible loue les femmes qui ont fait des grandes choses pour Dieu. Amen. Les évangiles louent aussi Marie. Ok. Puisque nous avons la parole d'Élisabeth, « Bénie es-tu entre les femmes. » Elle est unique entre les femmes et on la bénit. Amen. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Luc 1, 43, l'évangile encore loue la grandeur de Marie. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi parce que tu es la mère de mon Sauveur. Amen. Luc 1, 49, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Amen. Nous voyons donc que l'Écriture et Saint Luc nous invitent en fait à louer, à proclamer, comment dire, la grandeur de ce que Dieu a fait par Marie, l'obéissance de la foi de Marie. Amen. Et retenez ceci, louer une œuvre, c'est en réalité honorer
l'auteur de l'œuvre. Amen. Celui qui a construit cette église, quand on dit « Ah, elle est belle, elle était magnifique », si celui qui a fait celle-là, il est honoré. En d'autres termes, en honorant Marie, en fait, nous glorifions Dieu parce que Marie est une créature élue et, comment dire, établie par Dieu lui-même. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. L'honorer, l'imiter, la louer et enfin l'aimer, l'aimer, l'aimer. Pourquoi l'aimer? Nous pouvons l'aimer parce que nous sommes les frères de Jésus. Nous pouvons l'aimer parce qu'elle est la mère qui enfante la tête dont nous sommes les membres du corps. Nous pouvons l'aimer parce que nous sommes le disciple bien-aimé de Jésus et au disciple bien-aimé, Jésus a donné sa mère. Nous pouvons l'aimer parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en moi. Si c'est le Christ qui vit en moi, c'est que je suis devenu l'enfant de Jésus est le fils du Père et le fils de Marie. Vous voyez, il y a tellement de raisons pour aimer Jésus. Amen. L'aimer parce qu'elle est notre mère. Mais l'aimer parce qu'elle est notre mère, on peut dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier à la relation mère et fils? Eh bien, aux filles, c'est l'amour. En d'autres termes, l'amour est la réalité importante qui caractérise la relation entre la mère et l'enfant. Amen. Si quelqu'un est ta mère, on ne peut que l'aimer. Amen. On ne peut se considérer comme enfant d'une femme sans aimer de cette femme-là. C'est obligatoire. Oh, vous m'entendez? Tu ne peux pas te dire enfant de quelqu'un sans avoir des sentiments pour cette personne. Ça n'a pas de sens. C'est la loi du sang. C'est le sang qui veut ça. Même si ta maman t'a oublié, tu la retrouves 20 ans plus tard. Quand tu auras, ton cœur va battre. Ok, même si c'est quelqu'un qui t'a élevé. La loi du sang veut que la personne qui nous a donné la vie, celle qui est notre mère, nous l'aimions. Amen. Et la même loi du sang veut que quand une mère regarde son enfant, ses entrailles frémissent. Peu importe qui est son enfant, qu'il soit un bandit, qu'il soit un mauvais. Et ok, dès que c'est le fruit de tes entrailles, la mère l'aime. Amen. On ne peut considérer une femme comme sa mère sans l'aimer. En d'autres termes, si Marie est notre mère, nous n'avons pas le choix, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Amen. Nous sommes de sa famille. Nous sommes de la famille des enfants de Dieu. Nous sommes du peuple de Dieu. Amen. Aimer Marie, j'ai fini. C'est la mettre dans son cœur. Où sont les personnes que nous aimons? Où sont les personnes que nous aimons? Elles sont dans nos cœurs. Si tu es fiancé, ton fiancé vit aux États-Unis, tu ne le vois pas, mais il habite ton cœur. Tes pensées, tes désirs, tes sentiments, tes rêves. Amen. Le cœur est là où l'on met les personnes qui nous sont chères. Aimer Marie, c'est la mettre dans son cœur. Parce que aimer quelqu'un, c'est mettre la personne. Mais elle n'est plus de ce monde. Mais oui. Qui t'a dit que parce que ton père est mort, tu ne dois plus l'aimer? Qui t'a dit que parce que ta maman est morte, tu n'as plus le droit de l'aimer? Amen. Ceux qui sont morts, que nous avons aimés, continuent à vivre par le souvenir, par la mémoire, par les sentiments que nous avons pour eux dans notre cœur. Amen. Amen. Ceux que nous aimons, et vous comprenez alors, Jean 17, 27, la Bible dit, dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Écoutez bien, dès cette heure-là, le disciple prit Marie chez lui. Ils sont au pied de la croix. Jésus n'est même pas encore mort. Comment Jean peut prendre Marie chez lui? Amen. En fait, le texte veut tout simplement dire que quand Jésus lui a dit, c'est ta mère, Jean a mis Jésus dans son... Amen. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de maison là, au pied de la croix. Il n'y a pas une tente, une bâche là. Il n'y a pas un bivouac, n'est-ce pas? Une cabane. Ok? Si la Bible dit qu'à ce moment-là, Jean a pris Marie chez lui, ça veut dire que Jean a mis dans son cœur, à partir de ce jour-là, il a compris que c'est vraiment sa mère en Jésus. Amen. Aimer Marie, c'est donc aussi se confier à elle. Si elle est notre maman, nous devons nous confier à elle. Amen. Vous voyez, nous arrivons donc à la prière mariale. Ok? Mais c'est écrit où? Qu'il faut prier Marie. Ben c'est écrit tout simplement dans le langage de l'amour. Ceux que nous aimons, même quand ils sont au loin, nous pensons
à eux et dans notre cœur, nous leur parlons. Amen. Vous avez remarqué ça? Que quand vous aimez quelqu'un, vous imaginez parler à la personne, parfois même aussi ce que vous allez lui dire. Amen. Aimer Marie, c'est se confier à elle. Parce que nous sommes concitoyens des saints, de la maison de Dieu, entourés d'eux, et que le langage, le seul langage, le mot de communication qui lie les vivants et les vivants de l'autre monde, c'est la prière. Eh bien, la prière, le langage donc par lequel nous conversons avec Marie, nous lui confions nos problèmes. Et cette prière, c'est ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession, ce n'est pas l'adoration, il y a différentes formes de prière. La louange consiste à proclamer les hauts faits, les qualités d'une personne. L'action de grâce consiste à dire merci à quelqu'un. L'adoration consiste à reconnaître quelqu'un comme Dieu suprême et à lui attribuer tous les honneurs, toutes les attitudes, tout ce qui est lié au Créateur suprême. Amen. La prière mariale est tout simplement une expression de notre cœur d'enfant qui demande à Marie de prier. Oh, mais tu peux parler à Jésus. Oui. Seulement, la voix de Marie dans les oreilles de Jésus n'a pas le même goût, n'a pas la même profondeur, n'a pas la même force que ta voix dans les oreilles de Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que quand Marie parle, c'est la voix de la mère que Jésus entend. Amen. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Du coup, la prière mariale, si nous voulons bien approfondir la parole de Dieu, est une prière qui nous conduit en profondeur. La louange mariale est biblique. Les honneurs à rendre à Marie sont bibliques. Marie est un modèle de foi. La connaissance de Marie dans l'Écriture conduit mes bien-aimés à l'aimer davantage et à nous confier à elle. Elle est celle que Dieu a distinguée parmi toutes les femmes. Elle est celle qui a reçu la grâce en abondance. Elle est celle que Dieu s'est choisie comme mère. Et à ce titre, nous devons, par l'amour, la mettre dans notre cœur. Dites Amen. Dites Amen.